Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans une vidéo de Destiny 2 pour vous parler des astuces d'agression légende pour ne plus jamais échouer. Donc voilà, je vous conseille de rester jusqu'au bout pour écouter. Ça va être très court, donc voilà, restez bien jusqu'au bout si vous voulez plus faire vos agressions en légende. Alors, tout se base déjà sur le choix des persos. Donc je vous conseille, moi, dans les trois persos, franchement, c'est les meilleures combinaisons possibles que j'ai fait pour l'instant. D'agression légende, donc il faut un chasseur combinaison Orphus, il faut un titan bannière de guerre avec les 7 Oceps au fil obscur, évidemment. Hein, bannière de guerre pour ceux qui l'ont compris, et un arcane protocole du phénix. Voilà, comme ça vous avez tout le temps la faille, tout le temps la flèche et un gars qui vous soigne constamment avec la bannière de guerre. Que dire de mieux? Alors avec cette compo-là, vous partez gagnant et vous échouerez pas, sauf si vous êtes vraiment pas bon en démobage. Alors pour ce faire, ben, si vos collègues jouent Rocket, Galant, c'est bien. Sinon, ben, vous avez ouais, tout ce qui est mitrailleuse, hein, Xénophage pour péter par exemple des vigies ou les tourmenteurs. Alors pour les boss, on a testé le 1000 voix, très honnêtement, ça défouraille quand même bien. Parce que vous pouvez monter, j'ai mis une surcharge solaire, vous pouvez monter à 12. Ça défouraille très bien, hein, ça fera 36 balles de 1000 voix tirées avec vos deux collègues. Donc ça, en 36 coups de 1000 voix, le boss il le sort bien. Avec les surcharges solaires, triplé les surcharges solaires. Et alors, je vais dire, hormis ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a aussi de l'intelligence à avoir, donc c'est-à-dire de ne pas dépenser inutilement vos ferrailles, donc dans des pièges par exemple, mettez-les leur en priorité, les tourelles. Ensuite, améliorer, économiser et améliorer vos leurres et vos tourelles. Ainsi, vous êtes gagnant. Alors, je vais dire le tourmenteur par exemple à la vague 49, vous pouvez très bien l'attirer en dehors de la zone pour ne pas qu'il s'attaque à votre DA. Donc je vais vous mettre en appui une vidéo parce qu'il y a des gens qui ne me croient pas, donc comme ça ils le voient de leurs propres yeux. Qu'on peut faire fuir tourmenteur du DA pour l'attirer dans une autre zone où il y a des leurres et des tourelles. Ensuite, vous pouvez, si jamais vous êtes dans le jus, alors du moins avec le chasseur, les autres persos, je sais pas, j'ai pas testé, mais vous pouvez dupliquer les boules jusqu'à deux boules avec une seule. Donc d'une seule boule, vous pouvez en faire deux, quoi, en gros. Donc ça, je vais vous mettre une petite vidéo à la fin en appui aussi. Mais sinon, non, ce que je vais faire en vrai, c'est que je vais faire une vidéo séparée pour la duplication des boules, comme ça, vous le verrez bien. Donc sur ce, je vous dis salut, ciao, bye bye, et je vous laisse avec une vidéo du tourmenteur que j'écarte du DA juste à la fin. Bien vu, bien vu. Mais ouais, mais gros, arrête, tu vas pas me rusher jusque là quand même. Ouais, arrête. Mais gros, il fait le tour de la map avec moi. Yardi! Regarde, il me colle au cul. Moi, je l'amène aux tourelles, moi, hop, voilà. Je lui fais. Regarde. Regarde, je l'ai mis autour de deux tourelles d'un leurre, tu vois, il est con. Il y a deux tourelles qui le canardaient aussi. C'est pas mal.